Coucou. Bonsoir les copains, comment vous allez? Vous avez passé une bonne journée? Ou pas? Quelqu'un sur le live, à part moi. Hello, tu parles. Comment tu vas? T'as passé une bonne journée? Journée normale. Bon, déjà lancer le jeu. Tac. Alors, vous l'aurez compris, ce soir on fait du DVD. Encore. Moi, ça va. J'ai passé une journée normale. Plus calme qu'hier déjà par rapport au chien. Du coup, vous avez dû le voir dans le titre, hein, nous partons d'un DBD sur le PTB qui est la Public Test Beta. Donc la version test de DBD pour tester la sorcière. Enfin, pour tester. Je vous avoue que je l'ai déjà testé cet après-midi, hein, j'ai pas pu attendre. Et ça va devenir mon nouveau main, hein, clairement, ce perso. Je l'aime trop. Ouais. C'est une sorcière. C'est la nouvelle survivante qui va arriver normalement mi-octobre. Et du coup, sur le PTB, on a accès à tout ce qu'ils ont dit par rapport à la trappe, à certains tueurs qu'ils ont changé des trucs. Les nouveaux totems bleus, ils sont déjà là. Parce que c'est justement la sorcière. Qui l'aimait. Elle fait un geste très étrange quand elle l'aimait. C'est un peu bizarre. Alors, tac. Donc, voici Mikaela Reed. Yo! Salut, Des. Heureux. Excusez-moi, petit instant mouchage. Tu l'en équipe PK? Donc, voici Mikaël. Il a un style que j'adore. Voilà. Ça marche, Des. Des bisous.
bordel. Bon. 21. Je vais me remoucher dans pas très longtemps, je vous le dis. Bah non, faut que j'ai les bases vides, c'est vrai. Et oui, tu pas Death, il est déjà parti, il veut pas se spoil le nouveau perso. Il veut pas connaître les compétences et tout. Il veut pas connaître les compétences, il veut pas avoir la tête qu'elle a, enfin il l'a vu dans le trailer, mais c'est tout. Ça c'était bizarre, elle tenait le livre sans tenir le livre. Déjà, je peux vous dire que ça, c'est un totem bleu, donc les nouveaux, de bénédiction, comme c'est écrit dessus. Et en fait, celui-là, tu te soins, et l'autre, il y a écrit que tu te soins aussi, mais en vrai, c'est pas ça. Ça cache les, si j'ai pas de bêtises, les éraflures. Attendez, je vais vous dire ça. Les éraflures. Et l'aura. Les marques d'éraflure invisibles pour le tueur pendant quelques secondes. Enfin, tout le temps que dans l'aura. Après, il y a le nouveau temple. Ok. C'est bon, j'ai toutes les infos. C'est long en proc. Tout à l'heure, c'était moins long. Excusez-moi. J'ai vraiment une forte crise d'allergie ce soir. Et je crois que ça ira mieux, bizarrement. Par contre, c'est long la proc. Je ressemble à Rudolph là, non? Avec mon tout rouge. Non, sinon, dans le chat, vous avez fait quoi aujourd'hui? Personne qui veut raconter sa life. C'est en train d'écrire, je parie. D'ailleurs, tu pas d'aller où aérienne? Ça proc. C'était bien le travail et le fraise? Allez, c'est parti.
Nope, c'était pas bien. En même temps, le travail, c'est jamais très bien quand on l'a pas vraiment choisi. Mais il faut bien manger et payer le loyer. Donc. Toi aussi, t'as travaillé, tu pèdes? T'étais pas entre deux missions, toi? Eh bien. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi, tu pèdes? Je te vois. Attention. Mais je suis d'accord, il faut bien qu'il ramène l'argent. Il faut bien que quelqu'un bosse quand même. Bah d'accord, un trappeur. Mais pourquoi j'ai des frises comme ça là? Ah, regardez, elle est en train de le bénir. C'est trop chelou. Elle allait de même. Il se plaint tout le temps de son boulot. Donc là, les deux, ça veut dire que tant qu'on a l'aura bleue, les deux logos bleus en bas là, ça veut dire que je peux me soigner sans. Ah, ok. En gros, du coup, je disais, tant que je suis à proximité du totem avec les deux icônes en bas, je peux me soigner sans trousse de soins ni compétences. Et le deuxième, je ne laisse pas de marque d'éraflure. Quand je cours. Tant qu'à faire, autant lui couler au cul, quoi. Faudrait que je trouve un totem pour le baigner, pour le porc essayer. On n'est pas là? Hey, coucou Chouba, comment tu vas? Ça fait un moment qu'on t'a pas vu. Bah, il est où? Alors, du coup, ah la bâtarde.
Ça pue la merde, ça. Ça pue grave, grave la merde, ça. Oui. Il y a un nouveau tueur depuis. Il y a le Cénobite, je sais pas si tu le connais. Wesh, elle est où? Je l'entends couiner! Ah bah d'accord. J'arrive, elle a fini quoi. Pourquoi t'as une pub pour Always? Je sais pas. Promis, c'est pas moi. La sorcière, c'est pas un tueur. C'est celle que je suis en train de jouer là. C'est le nouveau survivant qui va sortir dans 2 semaines. Normalement. Normalement. Parce que je suis sur le PTB là. Vas-y, on est encore plus caché là-bas, je crois. Non? Il n'y a pas un gène là? Bah non. Bah oui, moi. Bah oui. Moi. Non. Je tombe, c'est sûr. C'est-à-dire, je fais un truc pour Halloween. Précise ta pensée, s'il te plaît. Est-ce que je fais un truc en stream, c'est ça que tu veux dire? Sûrement. Bah peut-être pourquoi pas un petit cosplay de la nouvelle sorcière du coup. Bon, qu'on soit bien d'accord, par contre, j'aurais pas le bide à l'air. Hein. Ce 31 octobre, c'est pas qu'il fait chaud, mais il fait pas froid non plus quoi. C'est pas qu'il fait froid, mais il fait pas chaud non plus. C'est plutôt ça. Mais ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas avec les lunettes, le chapeau là? J'aime trop.
Par contre, les gars, c'est quand vous voulez, hein. Bah oui, il vient me chercher quand je suis plus droit. Ah oui, on laisse crever ses mates P3 et puis on tunnel, c'est normal. Bienvenue sur PTB! Là où il y a les plus gros tryharders, les plus gros connards de l'histoire. On est ravis de la game. J'ai fait combien de points? Yes! 10 000. Fraise, encore une fois, il est pas là. Comme d'habitude, la fraise n'est jamais là. Alors pourquoi tu trouves pas au chat, Alfred? Non mais comment ça, elle est bonne ma sorcière? C'est pas la faute de la sorcière. C'est la faute de mes mates qui me laissent P1, P3 limite sur le crochet et que en plus je me fais tunnel. T'es sûr que le chat est de mon côté? En vrai, j'ai pas envie de l'ouvrir, j'ai la flemme. Elle casse les couilles à faire entrer sort, du coup j'ai la flemme de l'ouvrir. Elle a rend fou. Et voilà. Tout ça pour aller ensuite dans le salon faire chier le fraise. Comme quoi, elle aurait pu passer chez lui, hein. Ah oui, elle est jolie, la madame, oui. Elle est stylée, la madame, aussi. Oui, je sais, j'en ai pas. Par procuration, ça compte? Elle monte. Voilà. Non, tu veux pas? J'ai mon livre, il est buggé, je crois. Il est dans ma main sans être dans ma main. On va dire ça, hein? Je les ai pas en procuration, c'est déjà pas mal. Du coup, j'en ai quand même. Donc, je peux dire qu'elle me casse les couilles. Après, j'ai help. Tu veux quand t'es dans quoi? Ah, Maury! Ça va être pour moi. Je suis sûre que le bruit va être pour moi. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas debout depuis le temps.
Ah! Et là, elle commence. Ah putain, celle-ci, c'est Nobit en plus. Soit F4, tiens, c'est une bonne idée ça. Sur pas de deck, c'est ma table. Oh, c'est chiant leur chaîne là. Comme d'habitude. Demain je tente le nouveau multi. Sur Stranded Deep, je connais pas. Et le cube a disparu. Ma foi, il est où? Et pourquoi sur cette map il n'y a aucun totem? C'est normal? Ok, il est apparu. Elle est terrible cette map! On va les sortir comme moi. Un totem là-dedans! Rien du tout. Un jeu de survie, t'es sur une île, tu dois faire ta cabane. D'accord. D'accord. Il y a des mutants dans The Forest? Je savais pas. Je sais pas, je joue pas The Mutant, à The Forest. Au quoi que j'aurais plus The Mutant au final.
Non, j'ai pas fait ce forest. C'est incroyable comme j'ai trouvé aucun totem sur la map. Putain, le coffre il est en bas. T'as un petit bac toi. Bah je joue à quoi sinon? Les BD. CF6. Oh. Plein de jeux, mais pas The Forest. Je suis une souris. Sans déconner, c'est la croix et la bannière pour trouver un totem ici. T'as un totem flanqué là-dedans? Ah. Bon, on devait se faire un totem? Là, ça m'a pas prévenu. Moi j'en ai la base. Non, c'était accroché. J'ai cru que j'avais vu. Ouais, sûrement avec Death. Oh putain, il a mouru.
Allez, ma poule, bouge-toi le cul. Ah bah non. Ah bah non, non. Je me suis fait tuer à la game précédente. Non, là tu mourras pas. C'est mort. Par contre, la neige, je sais pas où est-ce qu'elle est, c'est pas rien. Oh, trop choupi, il est parti la sauver. Je suis une connasse? Un peu. Elle est sortie avec le cube là? Comment? Joli saut. Sauf Jane. C'est vrai qu'on peut pas dire que Jane est rachitique, hein. Je sais pas, c'est les standards de beauté, donc forcément ils suivent. Peut-être que c'est ça, je sais pas. Je serai jamais niveau 10, hein. Il y a des grandes lunettes quand même. Mais j'ai pas l'impression que ces lunettes ont des verres. C'est une planche à peintre à 105. Mais tout à l'heure, tu disais qu'elle était bonne. Faut savoir. Après, c'est vrai qu'elle est fine, fine, hein, parce que les cuisses. Bon. Les cuisses sont bientôt aussi épaisses que les bras, quoi. Ça monte une échelle. Pourquoi tout de suite faut qu'il y ait des nichons? Elle fraise en position inconfortable, ne sait plus quoi répondre.
cette fois, on n'a pas de Mori. C'est déjà ça. Il est toujours là, tu pads. Oh putain, il y en a un qui est afro. Ah, le afro, c'est Shuba. Il assume jamais. Oui, tu es là. Vu qu'Erin n'est pas là, est-ce qu'elle va bien? Ça fait vachement de bruit ce truc quand même, hein. Avec le montagnard. Je suis pas fan du montagnard. Déjà, faut savoir le jouer correctement. Il est pas évident. Puis je suis pas fan de son gameplay trop chaud là. Alors oui, c'est bien, tu vas vite, tu traverses la map, tout ça, mais... Mais t'es visible, repérable, on t'entend. Ah putain, il va niquer mon totem du coup. C'est que je suis là, lui.
Ah, chic ce totem. Hein. Nice. Je me tape un délire avec le montagnard, je fais carnage, je fais du full marteau. Je préfère jouer le docteur. Bah alors là il m'a vu hein. Je rêve où il m'a niqué mon totem là. Je suis pas d'accord. Eh oui docteur c'est valeur sûre. J'aime bien les faire crier, les mettre folie 3 et les voir essayer de tomber une palette, ça me fait rire. Oh, il a niqué mon totem, le bâtard. Non, rien en plus. Il s'en fout de nous, c'est moi. Oh, il y a la porte juste là. Ah, ça va être drôle ça.
Ouais, je t'ai concentré là. C'est vrai. Il veut pas s'amuser. Il veut pas venir s'amuser. Il est pas drôle. Il y a juste ça? Écoute, mon gars, de rien. Je fais pas la gueule, t'inquiète, je m'en fous. Hein. C'est que des nénés, hein. Pas m'énerver pour si peu. Hein. Tant que c'est pas les miens, tout va bien. Je suis niveau 10. J'ai envie de te dire, les jeunes m'en font un peu où ils sont. Je crois qu'on va mettre Boro. Bah, j'espère bien que t'oserais pas, dis donc. Quand même. Faut pas déconner, hein. Je suis gentille, mais bon, regardez les limites. Oui, elle fraise à des nénés. Ouais, je confirme. Je confirme. Bah quoi? Je ne fais que dire la vérité, non? C'est comme tes cheveux. Non, c'est moi, j'assume. Et coucou Erienne, comment tu vas? Ça c'est marrant, j'ai demandé à tu pas de deux fois comment t'allais, mais je m'arrête. Mais répondu. Comment que tu vas bien, Erienne? Maintenant c'est les cheveux. Ça a toujours été les cheveux. Ça le vrai problème. Pourquoi je m'en vais regarder en pseudo sur PTB quoi?
Et rude à ce Warrior 67. Comment te va depuis tout à l'heure? Eh ben ça va et toi, Ariane? Tu tombes bien, Ariane, on parle de cheveux de elle. J'étais peut-être AFK, tout s'explique. Parce que j'ai posé la question, mais j'ai jamais eu de réponse, alors je me suis dit bon. Et là, deux. Elle a dû s'esquiver. Elle m'a pas entendu. Bah justement, on parle de l'absence de cheveux. Tu coupes du bois? Magnifique. Ça, même ça nettoie. Bah écoute, ça va. Ça va, ça va. J'ai découvert cet après-midi la sorcière. Je me suis dit, allez, j'ai trop envie de l'essayer moi-même, plutôt que de l'avoir sur des lives. Du coup, j'ai installé pour la première fois le PTB. Première fois le PTB. Le PTB. Et je suis en kiff sur la sorcière. Elle est trop jolie. Elle est trop stylée. Du coup, ça va. Bah quoi? Je t'attends toujours sur Destiny. Oui, il a toujours pas installé. C'est pas faute de lui avoir appelé. Hein. Non, on va le purifier celui-là. J'ai vu que tu l'as testé, j'ai mis ma leurre avant de partir à la douche. D'accord. T'étais donc à la douche. T'as pris une bonne douche? Ok, on a deux totems posés. Elle a pas les deux percs, c'est dommage, j'aurais pu les mettre. J'ai la chemise qui va avec. What? Enfin, j'ai oublié la chemise, d'accord. Non, mais tu sais quoi, Elfraise, tu vas rebrancher ta play là. Et demain matin, quand je me lève, je te mets des signes à télécharger. Sinon, tu vas jamais le faire. Et oui, je travaille. C'est pas le temps. On tourne vers l'école là. Non. Ah, là, il y a les deux. A noter qu'il avait aussi dit que si Mumsen faisait top 1 à Fortnite, il allait installer Fall Guys et jouer avec Mumsen en stream. C'est vrai! Moi je suis là pour jouer. Hein. Je suis plus dans le champ. Chier.
Oh! Faire le jeûne hein, pendant qu'il campe. C'est mon jugement. Ce soir, comment ça se passe? La fraise au cajou. C'est ton jugement divin et tu seras puni. Châtiment! Infligez-lui le châtiment. Qu'on lui coupe la tête! Ouais, Fortnite, c'est un nouveau jeu de société. Les pouvoirs qui sont conférés au chat actuel se rejeter au cachot. Ah, d'accord, le mec il se fait lui-même la sentence. J'ai bourreau, moi, c'est vrai. Épilation intégrale. Puis il lui faudra qu'il fasse toutes les parties qu'il avait promis, donc. Tant Fall Guys. Tous les jeux qu'il a promis de faire avec toi. C'est vrai. Quel gamin. Alors attends, je finis la game après je t'explique. Une épilateuse? Tu dirais une esthéticienne plutôt, non? Oh. Allez, allez!
Ok. Oh, il a ramassé le bâtard. Est-ce qu'elle aura le temps? Je suis pas sûre. Oh, moi, j'ai pas le temps, par contre. Oh, elle aura pas le temps. Terrible. Oh non. Fais chier. Putain, il était presque. Fais chier. Fais chier, c'est bien, bien rouge pourtant. Il y a ruine. Ah bon? Il est immortel et mangeur de sport? Ah bon? J'étais pas au courant. Du coup. Ouais, décroche son bureau, c'est sympa. Oui, les PU sur le PTB sont encore plus idiots. Tout à l'heure, je me suis fait accrocher, m'en décrocher en étant P2. Je me suis fait tunnel. Parce que, bah, bien sûr, pas Moro, hein. Donc, en ce qui concerne ses compétences. Donc, tu avais vu que dans la mise à jour, enfin, l'update qu'ils ont fait, là, les développeurs, il y a quelques jours, ils disaient les nouveaux trucs pour la trappe, les changements sur certains tueurs, que tous les trucs qui augmentent, ils vont plus dire que c'est modérément, mais avec. Avec des pourcentages. Et du coup, les totems bleus, c'est elle qui les fait. Donc, on a le cercle de soins. Et on a le répare âme. Bon, ne pas lire les deux, c'est les mêmes. Ça change rien. Donc, le cercle de soins te permet, quand tu es dans le rayon du totem, de te soigner sans trousse de soins et sans compétences, à une hauteur de 90% de vitesse de soins. Et répare âme, ça. Comment dire? Ça fait en sorte que tes marques d'éraflure, toujours tant que tu es dans le rayon du totem, tes marques d'éraflure sont invisibles pour le tueur, ainsi que ton aura. Et le truc avantageux, c'est que je bénis un totem, et si j'ai les deux bénédictions d'équipé, ça mettra automatiquement les deux. Ça, c'est plutôt cool. Ça plutôt cool. Et la dernière perk, c'est clairvoyance. Une fois que tu as purifié un totem, si tu n'as rien dans les mains, tu peux utiliser ton pouvoir et genre te concentrer pour localiser les générateurs, crochets, portes de sortie et coffres dans un rayon de 64 mètres. Et je crois que c'est une fois par totem. Je crois. J'ai essayé tout à l'heure, j'avais pas compris qu'il fallait que je fasse le totem. J'étais là en mode, mais ça marche pas! Après, j'ai fait le totem, j'ai plus le temps d'essayer parce que je me suis fait tuer. Du coup, voilà. Ça a l'air cool, mais j'ai pas encore le temps de test. Pardon. Tu créais pas les totems, tu fais que purifier un totem présent. Alors même pas, parce que quand tu purifies un totem, ça le détruit. Là, il faut que ton totem il soit toujours debout. Et en fait, quand tu arrives devant le totem, au lieu de te proposer de purifier le totem, si tu as la compétence, donc la perque, tu peux. Tu as le bouton purifier et tu as le bouton bénir. Va mettre une bénédiction, je sais pas ce qu'il est écrit exactement. Et en sachant que tu peux le faire sur un totem passif ou actif. C'est-à-dire que je peux transformer un totem rouge en bleu. Ma question, c'est est-ce que ça annule le sort présent déjà sur le totem? Définitivement ou temporairement le temps que mon totem y est. Faut essayer. Faut trouver un totem enflammé et essayer. De toute façon, j'ai pas l'intention de changer de survivant, hein, donc tu vas le découvrir assez rapidement. Ça faisait longtemps.
Encore un trappeur? C'est toi, Yarwin? Tu vois, regarde, je vais pouvoir purifier ou bénir le totem. Je reformule, du coup, tu crées pas les totems? Oui, voilà, c'est ça. Tu vois là-bas le bruit, c'est un totem qui vient d'être béni. Il va y avoir le même quand moi je vais faire le mien. Que tu as béni, ça supprime la compétence qui était dessus. Pour que l'effet n'y soit plus, il faut que le totem du tueur pète, ok. Donc là, tant que je suis dans l'aura bleue, donc avec. Soit tu le vois au contour bleu de l'écran, soit tu le vois avec les deux paires qu'en bas, là, les deux petits carrés. Et en gros, le petit plus, c'est pour mes soins, à 90%. Et l'espèce de botte, là, c'est pour pas qu'on voit mon aura. Et mes traces. Si elle pouvait tourner ailleurs que là, étant donné que rien n'est actif et que si je lâche le gène, bah il régresse. Encore une Pebble Wise? Non, je lâcherai pas le gène, meuf. Tu m'aides et puis après je te soigne. Surtout qu'il y a le totem, donc tu peux te soigner comme une grande. Quel bâtard. Tu vois, j'ai pas la compétence prophylaxie et je peux me soigner parce que je suis à côté du totem. Ça, ça m'emmerde. Je me trouve un autre totem. J'aimerais bien savoir si le tueur il entend ce bruit. Ah mais il n'y a plus de ruines! À quel moment ils ont pété la ruine? J'ai même pas vu. Sors pas, sors pas, sors pas.
Elle vient de se faire décrocher, elle se prend deux pièges. Pourquoi j'ai pas eu le bruit? Ah! Chouchou, bonne soirée. Salut Chouba, à bientôt. Passe une bonne soirée et merci d'être venu. Allô les guys? Allô les guys? Allô les guys? Elle est sérieuse, hein? Ouais, il y a des bugs, ouais. Pas tout à fait opérationnel. En fait, ça sert à rien que je le mette là. Il faudrait que je le mette plus vers là. Ok, bon, bah, je vais pas aller par là, moi. Ça, c'est fort sympathique à toi, par contre. Très, 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 très fort sympathique, quoi. Très, très bon moment, hein. Putain, elle me court dessus, là, ou j'arrive? Ah, d'accord. Mais déjà, tu sais, quand t'étais un spectateur et que tu passais des flèches en haut, il te faisait un bruit de générateur quand tu changeais. Ce qui était très moche. Ah! La palette, la palette, la palette. Mais quoi? J'appuie avant que tu tapes en fait! Allez, 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 allez!
J'ai essayé, hein. Oh, je suppose que non. M'énerve. Il a pas Noël. Je l'ai vu tourner au moment où j'ai commencé à tourner. Allez, flash, flash, flash. J'y arrivais. Écoute, je suis quand même sortie, hein. Je suis pas morte, monsieur. Je vais aller à l'hôpital, mais pas morte. Bah, je l'avais gagné une fois au final. Ah, c'est un monsieur Twitch. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle veut qu'on l'attrape? T'as plus trop de time là, faut que tu choisisses une porte à un moment donné. Ah, le tueur il a rage quitte! Il a mis... Quoi? Il met un mori d'ébène et il rage quitte? Bah, c'est pas possible, il a crash là. Il en a eu marre que l'autre lui fasse perdre son temps peut-être? Bah, l'autre c'est HP d'office là, je sais pas comment. Il en a eu marre qu'il lui fasse perdre son temps, c'est ça? Et t'arranges. Ouais. Mais j'ai pas eu le temps. Je pense qu'il a crash, c'est pas possible que tu rage quitte à la fin de ta game.
Je viens pas de tomber avec eux. Oh, c'était pas dit que l'autre sorte en effet. Ok, le mec il a même pas fait gaffe au pseudo avec qui il est en train de jouer. Ah tu vois, on n'a pas fait ça là ce soir. Bon. Oh putain, si t'es pas dans le jeu. Alors, elle, elle a l'urine à côté. Attends, je voulais essayer ça. Je veux voir si ça l'enlève. Bah ouais, non, je vais aller de l'autre côté quand même. Ok. Chili, ruine. Au moins, j'aurais pu voir que le totem de la baignée du sang, elle enlève le totem enflammé, hein. Voilà, hein, j'ai fait l'action de la game. J'ai fait un totem banni. Tato. J'ai banni le totem. Ça s'est arrêté là. J'ai fait 21 000 points pour avoir banni un totem. C'est logique. C'est logique. Tout est logique. Ah, attendez, le bourreau niveau 2. Le pro niveau 2, on a des... Oh! 5 000? C'était juste, on n'a pas de gâteau? Non? Eh ben, on va épicer à la brume. Ben, aveuglé, c'est le défi. Ben, on va essayer. 20%, ouais. Ça, c'est mieux. Ça, c'est bien aussi. Tchac, tchac. On est bon. Il est encore là, hein. Je suis sûr qu'il se rend pas compte. Le tueur qui déco parce que tu lui détruis son ruine. Je sais pas, peut-être.
Non, il était en chase bien avant que je détruise son ruine. Peut-être que ça l'a saoulé. Peut-être que la chase. Bah, je sais pas contre qui il était, mais il était peut-être trop fort pour lui. Et du coup, il a rage quit. Et sur le PTB, on s'en fout pour les coups. Pour le coup, sur le PTB, on s'en bat un peu les rangs parce que. Bah, t'as les rangs, oui, mais c'est pas la même que sur le vrai. Du coup, on s'en fout. Et oui, il y a encore le fameux duo de Twitch, Truélise et MRK. MRK. Point. Je connaissais le MRC. Et pas le MRK. Je suis éclatée. J'ai dormi 4 heures. J'ai les yeux qui collent. Bien évidemment, j'ai pas fait de sieste. Les siestes, c'est pour les vieux. Et j'estime que je suis pas vieille. Du coup, j'ai pas fait de sieste. De sieste. Alors, une par une. Ah! Attention! Encore un trappeur? Non, mais je vais vriller là. Cet après-midi, donc c'était que des plagues. Et là, c'est que des trappeurs? Tiens donc. Je suis l'obsession. Et Loli, coucou, un petit coucou avant de dodo. Comment tu vas, Loli? Pas trop KO de ton nouveau job? Bon, live copine, moi je vais rejoindre Morphée, ça marche. Dors bien, courage pour le taf demain. Et fais un gros dodo ce week-end. Je crois qu'il m'a trouvé. Ma body block. Bon, je pense qu'elle a pas fait exprès, mais. Eh, ma body block. Trahison. Truilis est en live. Ah ouais, il est français ou pas du coup? Il est quoi? Bon là, si on jette ça. Yes, un tueur qui se flag, on est ravis. Laisse-moi partir!
Ah, c'est une fille. Elle est allemande, mais parle anglais sur son stream, ok. Je suis la tête qui joue du tam-tam parce que la formation est dense. Mais je suis clairement en kiff total, je vais galérer de ouf à apprendre le logiciel et les process, mais NP, je suis une warrior. Mais oui, tu vas rouler sur tous les logiciels. Après, tu vas rouler sur le game de ton emploi. Si tu te proposes. Truilly est une fille, du coup. Ah, elle est pas en VOC. Bah, tu le verras quand on terminera la game. Si elles sont toujours en. En game, après. Enfin, en game, en comment? Je vais y arriver. Je vais trouver, mais moi je vais trouver. J'ai faim, moi je vais trouver. En groupe. Alors, totalement, on va le remettre là. Hein. On m'a plein de bisous, les copains. J'essaie de rester plus longtemps demain. Je live pas le jeudi. Mais je ferai peut-être une exception demain, on verra. Ça dépend du planning de vendredi ou de samedi. Soir, bien évidemment. Bonne nuit, bon courage pour demain, des bisous. T'inquiète, je te dirai au pire par Snap. Ça dépend juste de mon programme de ce week-end, puisqu'à la foire de Marseille, j'aimerais bien y aller. Et je sais pas si j'y vais vendredi ou samedi, donc. Oh, j'avais déjà oublié.
Là, il va camper, là. Là, il va camper fort, 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 fort. Et il va être content. Parce qu'il aurait eu ses 4 kills. Elle va tenter l'impossible, mesdames et messieurs. Non! Shaggy est décédé. J'ai plus de lampe! Ouais, je suis arrivé un peu chelou, mais on est sur le PTB là. J'ai dit, faut pas chercher à comprendre. Première game que j'ai fait, chasseuse Randy. Quel bâtard. J'espère qu'elle pourra sortir. Je sais pas. À moitié. La troisième, c'est la bonne? Je suis sort de ses bras ou pas? What? Allez, on va se balader, hein. C'est parti, on va ramper.
Ah! Prends ta trousse là. Ah bah. Là, il va pas me laisser tranquille, hein. Tu vois ce que je faisais, c'est-à-dire à lui donner la. Oh, faut qu'elle prenne la trappe, faut qu'elle prenne la trappe. Est-ce que je faisais, est-ce que je lui ai donné la. La trousse de soin? Oh. Il lui a fermé la trappe ou... Allez, allez, tu peux le faire, tu peux le faire. Ouais, je lui ai écrit, mais le problème c'est que je peux pas mettre le son, sinon on l'entendait aussi. Double live, pas ouf. Je l'ai des cocos en gros, quoi. Sans modo. Et oui, elle joue avec Amerka, du coup. Je rigole, je tombe encore sur elle. Je vous jure, je ris. Ce sera le dessin de la soirée, jouer avec les filles. Bah, on n'est plus avec elle. T'as fini, on a perdu le groupe. Ouais, j'ai vu que c'est bien dur. Ah bah je l'ai carrément pas aveuglé. Bah c'est encore mieux ça. Bah oui. Je pensais avoir réussi au moins une fois. Bah non.
On retourne à Ormond. Ok. Oh, c'est gentil. Elle avait l'air gentille. Pas souvent que je croise d'autres streamers. Mais des gentils. D'habitude, c'est des streamers pas très gentils. Parce que c'est des boobas. Alors, ils sont pas gentils. Si c'était ok de t'appeler moi, oui, c'est ok. Ouais, mais j'ai quitté son live. Je t'ai dit, je peux plus répondre. Mais oui, c'est ok. Tout le monde m'appelle Mao ou Mom. Quelqu'un canté? Tu peux transférer, oui. Cette fois, je suis pas l'obsession et c'est un Némésis. On va prendre la pécouse. Comme ça au moins. Comme ça c'est mais infect, j'ai déjà la pécouse. J'ai trop hâte de voir les nouveaux skins qui vont lui sortir à la sorcière. Je veux trop voir quel style ils vont lui mettre. Parce que je peux vous dire que dès que la sorcière elle sort en DLC, je l'achète. Instant dès qu'elle sort, je l'achète. Parce que suivre une même partie avec des calages c'est déjà compliqué, mais deux, ouais, deux c'est pas plus facile. Hein. Le zombie, tu me décroches? Mais barre-toi. Madame, attention, il y a un zombie qui me campe. Je sais pas que j'aille poser mon totem avant ou... Non?
Là, tu tunnels, là, tu t'en rends compte, mon ami? Trop du cul, j'ai tourné, hein. Tant pis, tu m'as perdu. Bon, on n'aurait pas un totem là que je peux bénir? Putain, on a un ourson, mais il n'y a pas de totem. On est tous du même côté, c'est la merde. Tu me fais sonner par Tiki. Tiki Tiki. J'en ai fait. Lâche-moi! Non mais c'est... Mais gros, putain! Oh, l'autre à côté, tu l'as jamais vu! Putain, t'es vraiment qu'un con, toi! Je veux bien qu'on se ressemble toutes, mais en tout cas, le Quentin... c'est celui qui est pas infecté qu'il faut buter, quoi. Pas moi, en fait. Casse les couilles. Mais bordel de merde! Oui, mais si c'est gros, c'est vrai. Vu comme ça. Ah bah alors moi... Mais lâche-moi, putain, mais t'es vraiment con!
Eh ben oui, t'es con, voilà, t'auras pas tes points. Quand on sait même pas qui on tue, avant de me donner, faut arrêter de jouer. C'est incroyable la connerie humaine. Ah, c'est un rang 1, tant pour moi. C'est pour ça, ça atteint ton cerveau. Voilà. Les deux qui restent, ils ont jamais été accrochés. Hein. Ma faim. Bon, je pense qu'on en fait encore une dernière après on arrête. Hein. Lui, il m'a énervé avec sa connerie là. Je veux bien qu'on se ressemble, mais faut pas déconner quoi. J'ai chaud. Ça va, vous n'avez pas chaud? Ça prend plus vite en fin de soirée qu'en début. Il fait bon, moi j'ai chaud. Ça va, Imhotep? T'es que moi qui ai chaud, quoi. Très bien. J'ai un truc qui me gêne dans l'œil. C'est énervant. Petit. Ah, c'est la pigue.
là 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 là. On peut tomber là. Hola, mi caillou, comment ça va? Ça va, compliqué la dernière game parce que bon, voilà quoi. C'était tendu du slip. Très tendu. Parce que bon, 4 gen et full slug, c'est dans. C'est dans skill. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, mais je réparais pas le gêné donc. Ouais, la fin c'est sur le fil. Ah hein. Oh, putain, il y avait Noël en plus. Je fais quoi? J'arrête ou je continue encore?
Il y en a un qui est en train d'enrager. Moi, je vous avoue que je pense que je vais stopper là. Je suis complètement fatigué. Je pense que je suis sûr. Je pense que je suis sûr. On va faire ça. Mais on va quitter le jeu. J'ai les yeux qui piquent. Je vais aller me poser. Et je vais dormir plus tôt. Parce que les 4 heures dans le baba, là, je les sens. Bon les copains, on va s'arrêter là pour ce soir. Hein. Bon les copains, on va s'arrêter là pour ce soir. Je vous tiens au courant pour savoir s'il y a un live. Non mais c'est parce que j'ai dormi 4 heures surtout. Et que les nuits précédentes, j'ai dormi 4h30, 5h, donc là j'enchaîne des petites nuits. Je commence à capoter sévère sévère. Du coup, je vous tiens au courant pour demain si je live ou pas. Parce que ça dépendra si vendredi soir je bouge ou si ça sera samedi dans l'après-midi. Et comme je ne sais pas encore, parce que ça ne dépend pas que de moi, je vous tiendrai au courant. Pardon. Bon, les copains, moi je vous fais des bisous. Je vous envoie chez Hailey Boo. Ça fait un moment qu'on n'est pas allé chez Hailey. Elle est en train de tester des BD pour la première fois de sa life. Du coup, profitons-en. Allons l'embêter. Putain, j'ai les yeux qui. Oh, j'ai les yeux rouges. Moi, je suis en train de tomber de fatigue. C'est terrible. Rien que le mascara me gêne. Bon, du coup, les copains, je vous tiens au courant sur Discord. On dirait que je suis en train de pleurer. Tout va bien. Tout va bien. Je ne pleure pas. Qu'il était dormir si peu. Ouais, je sais. Du coup, les copains, je vous fais des bisous. Je vous tiens au courant sur Discord. Sinon, c'est comme d'habitude, on se retrouve vendredi soir. Je vous fais des copains, je vous fais des bisous, je vous fais des copains. Je vous fais des bisous les copains. Je vous souhaite une bonne nuit, un bon courage pour ceux qui taffent demain. Et on se retrouve soit demain, soit vendredi, je vous dirai ça. Des bisous les copains.